puisque tu en parlais tout à l'heure, est-ce que le restyle, ça peut faire partie du bagage technique d'un joueur comme Boundir, Eric? Que tu viens de dire Boundir. Non, Boundir. Boundir, pardon, pardon. Est-ce que tu penses que ça parce peut que Boundir, faire partie... c'est un mec qui joue, je sais plus dans quelle équipe d'ailleurs. Mais tu penses que ça peut faire partie de son bagage technique ou pas? Non, mais écoute, alors moi, j'adore Boundir, mais je sais que Boundir a beaucoup travaillé. A beaucoup travaillé, mais sérieusement, hein, il a un coach, machin et tout, et je suis très ennuyé. Je me suis dit, tiens, moi, je n'ai pas de résultat. Bon, d'abord parce que je joue pas assez et surtout parce que je ne travaille pas. Mais là, quand je vois Boundir qui travaille et qui n'a pas de résultat, moi j'ai toujours préféré qu'on me dise tu sais, qu'on me dise du talent mais pas de travail. Ce qui est horrible, c'est quand on dit du travail et pas de talent, ce qui n'est pas le cas de Boundir. Mais non, mais je trouve que ce que je trouve génial avec le poker, moi je passe mon temps, quand j'ai un peu de temps, je vais sur excusez-moi monsieur, s'il vous plaît. J'étais en train de dormir. J'étais en train de dormir tranquillement. Et puis bizarrement, j'ai senti comme une forme de sciatique de vanne. Je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de me bloquer le dos. Il faut absolument que je cherche. Donc j'ai balancé un espèce de tracker. Et bizarrement, je tombe sur Eric Lavenne. Alors, monsieur Lavenne, avec tout le respect que j'ai pour vous, ne vous mélangez pas. Vous êtes un bon réalisateur et vous faites des progrès actuellement. Il ne faut pas vous mélanger. Voilà. Laissez les cartes aux gens qui savent tenir les cartes et occupez-vous de votre caméra et des entrées de champ. C'est énorme. Comment voilà. Ils sont venus me chercher, t'as vu comme je suis sympathique quand même. Hein. Putain, heureusement que j'ai balancé un j'adore Boundir. Oh et non, j'ai rectifié ton nom. Comment oh on l'a piégé en anglais, c'est énorme. Le mec, je connais tout Paris, papa, alors calme-toi. Moi, toutes les radios, je les connais, donc ne t'inquiète pas pour ça. Donc voilà. Bon, merci, mon pote. Boundir, ça fait plaisir que tu sois là. T'entendre. T'as reçu des messages et ils sont en train de t'allumer sur RMC ou quoi? Avec Boundir, on a vécu des grands moments d'intimité puisque nous étions ensemble en Irlande. Je sais que tu es marié, moi aussi. Je sais que tu as eu un enfant il n'y a pas très longtemps. Mais on a quand même, le matin, on se réveillait dans la même chambre. Enfin, on partageait le petit déjeuner dans la même chambre parce que là où on jouait en Irlande, j'adore Winamax, mais vraiment. Pas loin du scoop, là. Le petit déj, et c'était. Bon, on va dire au-delà de la merde, hein, quoi, des trucs, le pire petit déj. Les haricots au petit déj. Voilà, donc du coup, on allait s'acheter fois Boundir, une fois moi, c'était mignon, on tirait au sort. On se partageait dans notre chambre. Dans notre chambre, on prenait le truc. Et je sais qu'il y a un mec, et une fois, il y a une femme de chambre qui est rentrée pour faire la chambre, nous a vu tous les deux. Lui était un peu défait, c'était superbe. Je sais pas, sur l'anecdote, faut que tu racontes quand même à tout le monde, parce qu'on est quand même 2 millions à t'entendre. Le truc, c'est que j'avais commandé un coiffeur pour Eric Lavenne, justement, à Dublin. C'est très difficile à trouver. Et lorsqu'on a trouvé un, lorsqu'il est monté dans la chambre, il a vu Eric, il a dit « Ah non, je suis vraiment désolé. » Je suis vraiment désolé. Non mais attends, Boundir, attends, mais est-ce que t'as un miroir près de toi? C'est l'homme au catogan qui se fout de ma coiffure. Hey, frérot, c'est milliardaire, mais je t'en supplie, va, on a des cousins qui coiffent pour 6 euros, viens. Vous êtes des fous, les amis. Boundir, quand est-ce que tu pars à Vegas? Écoute, je pars à Vegas le 3 juillet. Et tu vas faire le main ou pas pour jouer? Le main. Qu'est-ce que t'as décidé? Parce que la dernière fois que je t'ai vu, tu devais évaluer le programme et tu savais pas exactement ce que t'allais faire comme tournoi. T'as choisi, tu fais quoi? Ouais, je choisis en fait et je vais faire le 5000 en fait avec une structure. C'est le 5000 Hold'em du WSOP. C'est comme une forme, c'est la même structure pratiquement que le PT. 25 000 de jetons à 5000 près, 60 minutes. Sinon le reste c'était un peu boucherie. Donc et puis comme je pourrais pas rester pour le main. Donc finalement, là, je suis en train de m'entraîner, effectivement, pour avoir un petit résultat, si tu vois ce que je veux dire. Putain, d'accord. On l'espère pour toi. En tout cas, Boundir, merci d'être venu de cette façon dans cette émission. En tout cas, moi, je t'embrasse très fort, Boundir. Merci, salut, Boundir. Salut, Eric. Salut, Abish. Ciao, ciao.